extrême droite, etc. Donc c'est exactement ce qu'il va faire le jeune homme maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une autre ligue qui a toujours ces mêmes peurs, qui les manipule tout le temps, et qu'il ne faut pas effectivement penser ça. Moi, au début, je suis venue voir les Gilets jaunes, je me suis renseignée sur ce que c'était que ce mouvement, parce qu'il y avait effectivement ce truc qui était manipulé, qu'on entendait partout. Et je me suis dit, bah, quand même, je vais aller voir par moi-même, ça va bien. Et je me rends compte que c'est pas ça du tout. J'étais en Vendée la semaine dernière. Le dimanche, il y avait une réunion, il y avait 200 personnes dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où c'est mort d'habitude. Et c'était 200 personnes très différentes, des gens avec la souffrance sociale, d'autres qui venaient soutenir, des personnes âgées qui venaient pour leurs enfants. Il y avait vraiment de tout. Et j'ai pas vu d'extrême droite. En tout cas, il n'y avait pas de slogan homophobe, anti-migrant, etc. Et des gens, par contre, ça c'est ce que j'ai un peu découvert par rapport à la province, c'est qu'ils se réunissent tous les mardis en commission avec des thématiques et ils travaillent là-dessus. Et quand je leur ai dit, quand vous travaillez dans les commissions, comment vous faites avec vos différents politiques, ils disent, ben, on les ressent, mais en fait, comme on travaille pour l'avenir, eh ben, on s'en sort très bien et ça avance et on construit le débat. Et ils vont inscrire leur synthèse dans ce qu'ils appellent le vrai débat. Et ce sont des gens qui, quand même, et pourtant des gens des petites situations qui survivent des fois, etc. Eh ben, ils arrivent à faire ce travail politique finalement et ils le font très bien de façon horizontale, sans M. Kahn, sans les journalistes, sans les élus. Et ils s'en sortent très bien. Et moi, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Ça, plus les jeunes qui sont dans la rue pour le climat, je pense que tout ça, c'est un terreau là, qui est en train de monter, de sortir, et ça leur fait très peur et il faut tenir. Voilà.